Un point à présent sur la crise qui oppose les étudiants à la hiérarchie du Centre national des œuvres universitaires. Dans une plateforme remise ce matin, les étudiants exigent, entre autres, la démission du directeur général du CENU. Le reportage signé de Lassina Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Nyarki Teda. Le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, est devenu persona non grata à la cité universitaire de Kosodo. En effet, les étudiants demandent dans une plateforme le départ pur et simple du directeur général. Ils réclament aussi le retrait sans condition de la plainte déposée contre eux. 1. Le retrait sans condition de la plainte contre les étudiants. 2. Le départ du DG du CENU. 3. Le paiement des loyers selon la capacité des étudiants. Approché, le directeur général dit mesurer la gravité de la situation. Une situation qui, selon lui, mérite une attention particulière. Nous avons été également surpris de constater que ce même groupe d'étudiants a encerclé la direction générale, y a chassé le personnel, a retiré les clés du bâtiment, a fermé les portes et avec naturellement des menaces de risque d'incendie. Pour ce qui est de sa démission, le directeur général dit se référer au gouvernement puisqu'il a été nommé par l'exécutif. Les étudiants, quant à eux, disent maintenir leur position.